MySerious Game, c'est une start-up qui est allée chercher des techniques d'agence de communication qui travaille comme une SS2I pour les aspects techniques, technologiques, recherche et développement et qui est un organisme de formation, ça c'est notre enjeu. Tous les nouveaux courants, les universités qui travaillent avec nous, les neurosciences, en fusionnant vraiment tous ces univers-là, c'est une nouvelle façon de former aujourd'hui par le digital. Un Serious Game, c'est une aventure pédagogique, c'est une simulation. C'est s'entraîner, comprendre en expérimentant et non pas en subissant le savoir. On va vraiment construire des programmes qui vont sur le fond s'adapter au niveau de connaissance, au niveau des besoins de la personne et sur la forme à son schéma d'apprentissage. Donc c'est vraiment cette construction sur mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment identifier et construire l'architecture du dispositif qui nous semble parfaitement adapté à un public, à un enjeu, à un budget, des délais, pour ensuite aller chercher la technologie qui va permettre de répondre et construire cette solution. De la 3D, du motion design, de la 2D, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, des bibliothèques interactives, des applications. Donc c'est important quand on construit un programme aujourd'hui sur mesure, de pouvoir vraiment l'acculturer sur le fond et sur la forme aux enjeux du groupe client. Typiquement un groupe qui était face à la mise à jour de ses valeurs. Il faut former tous les nouveaux, et bien ancrer ça chez les anciens collaborateurs. Il ne suffit pas de dire « je voudrais que vous soyez transparent maintenant », il faut vraiment jouer avec, se l'approprier et devenir plus transparent. Et nous avons réussi à créer donc une web-série interactive donc sur plusieurs épisodes, avec un petit peu de surnaturel, un petit peu d'intrigue, un petit peu de suspense, d'humour. Nous construisons donc ce programme avec de l'interactivité qui amène vraiment l'apprenant à se positionner. Et moi, par rapport à ça, j'en suis où? C'est quoi les conséquences de mes bons comportements, de mes mauvais? Et donc il y a un vrai feedback avec un petit peu d'intelligence artificielle derrière, de manière à pouvoir aller très finement dans le détail et occasionner avec certitude en 6 semaines le changement. Il s'avère que nos clients sont essentiellement des groupes qui sont présents à l'international et donc qui progressivement nous amènent dans leurs filiales dans différents pays. Il y a donc un énorme chantier qui est face à nous, que nous préparons depuis plus d'un an, de manière à pouvoir mieux répondre à des enjeux de formation qui sont vraiment sur le monde entier. Pour moi, les clés de notre réussite, c'est vraiment l'équipe. Et toutes les valeurs qui sont autour de l'équipe, le sens du service, le dynamisme, l'adaptabilité, cette proactivité dans l'équipe et cette solidarité entre nous, parce qu'on est très nombreux sur un projet. Il va y avoir un sound designer, il va y avoir un graphiste, il va y avoir un infographiste, il va y avoir un animateur de ces infographies. Aujourd'hui, MySerious Game, c'est vraiment une aventure qui est portée par les clients et par l'équipe. On découvre tous les jours de nouvelles opportunités, de nouveaux moyens d'action, de nouveaux outils pour jouer. Et on est aujourd'hui vraiment sur une vague magnifique. C'est des défis quotidiens avec beaucoup, beaucoup d'humains dans cette aventure.